Peut-on partager un document Google Drive avec des personnes qui n'ont pas un compte Google sans les forcer à s'en créer un? Oui, c'est possible. Pour ce faire, rendez-vous sur le petit bouton « Partager » en haut à droite de votre document Google. Et utilisez non pas la petite boîte qui s'ouvre à vous et qui est mise en avant, mais la petite icône plus ou moins cachée qui se trouve en haut à droite et qui vous ouvre des possibilités supplémentaires avec la possibilité de partager à travers le lien qui se trouve ici le document à des gens qui n'ont pas de compte Google sans qu'ils aient besoin de se créer de compte Google, soit simplement pour qu'ils puissent le voir, soit pour qu'ils puissent en faire des commentaires, soit pour qu'ils puissent le modifier. Si je clique là, on voit qu'il y a un lien qui se crée. Si je fais CTRL-C et que j'envoie, que je copie-colle ce lien et que je l'envoie aux personnes avec qui je veux partager le document, elles pourront se rendre sur le document, le modifier, sans avoir à se créer de compte Google. Voilà, c'est donc possible.